Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Shake and Fidget, la suite de notre aventure. Et peut-être la fin, ça dépend ce qui va se passer. Parce qu'en vrai, j'ai pas l'impression qu'on progresse énormément. Du coup, je sais pas si ça vaut le coup de continuer vu qu'il n'y a pas l'air de se passer grand chose d'autre. C'est quoi réserve des secrets? Stockage de ressources. Ah, ils peuvent pas être pillés. Bon, bah, on met tout, hein. Allez, go, hein. Voilà, hein. Oh, bah, si ça peut pas être pillé, on va en profiter, hein. On va peut-être améliorer ça, c'est possible. Ah, on peut. Bah, une heure, par contre. Est-ce qu'on peut... Ah, non, pas encore. 450. Bon, on n'est pas loin. Ah, un donjon. Petit donjon, là. 42, c'est un peu dur. Je suis 39, moi. 38... Ah, j'ai appuyé trop vite. Et 40. Bon, on va faire le 38, mais ça m'étonnerait que ça passe. Ça passe. Ceinture offensive de défense. À n'utiliser que dans le cadre prévu à cet effet. Putain, 450 balles si je la revends. Et en plus, je peux mettre une gemme. Alors celle-là, par contre, je pense que je vais la garder très très tu longtemps. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Oui. Tiens. Du pognon. Et on va mettre une gemme d'intelligence dedans. Parce que j'ai besoin d'être un peu moins con. Voilà. Un peu d'arène, là. Petite arène ou deux. Une petite arène ou deux. Peut-être descendu un peu le haut, là. On va aller dans les 10 000. Je suis allé un peu loin. Non, là, je suis pas assez loin, quoi. Trop loin. Bon, il faut que j'apprenne à taper sur le clavier. Niveau 37. T'as 9000 de dégâts, mais en vrai, il a pas beaucoup de... Ouais, mais je vais mourir. Bien, je t'invite dans ma guilde. Ah, la guilde est complète, ok. Ouais, allez. Tatakai. Ah, attends, la guilde. Il y a... Enfin, il y a beaucoup de gens invités, mais pas beaucoup de... De gens qui acceptent. 450 balles pour une gemme. Allez, go, allez, go. Salut! Boire 3 bières, bon ça devrait aller ça. Ce week-end, prends ton temps au lieu de courir aveuglément à ta perte. Tu pourras toujours le faire plus tard. Tu très as bien. Mieux à faire, ne perds pas ton temps ici. Très bien, très bien, on va aller à l'aventure. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de choses mon ami, beaucoup, beaucoup. Énormément de choses. Bon allez, on va partir pour la hache. Eh, bienvenue mon pote. J'ai quelque chose de super important à te proposer. Tu dois aller aux steppes trébucheuses. Tu dois emmener le frère, mon frère, aux steppes trébucheuses. Et ne l'embête pas comme moi. J'ai l'habitude de le faire. Tu peux au moins essayer, sinon il va te casser la gueule tout ça. Hein. À mon avis, si je l'emmerde, il va me casser la gueule. Et comme vous avez pu voir, si vous lisez le texte que j'ai lu, c'est pas du tout ce qui était écrit, quoi. J'ai dit de la merde en plein milieu. D'ailleurs... J'ai même pas regardé s'il y avait des trucs intéressants à acheter. Non, y a rien là. Ouf, ah c'est cher. Hein. Pour une seule, c'est cher. En vrai, je peux vendre ça vu que j'ai eu... panneau d'interdiction de la justice entre générations. Nos enfants sont notre avenir. Incroyable. Ce bouclier est incroyable. Oh bah. Bon, j'ai pas assez pour l'instant. Ça fait quoi ça? Potion du cambrioleur. Je sais pas ce que ça fait. D'ailleurs, on n'a pas tourné. La petite roue. Incroyable, niveau 40. Beau niveau 40, quoi. Bon, on n'a pas assez, on va attendre. On va attendre la fin de notre quête
et ensuite on achètera ce que l'on désire. Honnêtement, j'espère que la hache est mieux, au vu du temps que j'ai attendu, quoi. Le petit brigand balèze. Ouais, je pense qu'elle est mieux quand même. Je Je peux pense, hein. t'aider? Ouais, je pense qu'elle est mieux. Allez, let's go. Let's gong. Te voilà. Ouais, 2 minutes 30, hein. Salut mon pote, t'arrives pile au bon moment. Tu as l'air du type t'y connaître en papillon. Putain, je galérais. T'as l'air du type qui t'y connaît en papillon. De t'y connaître en papillon. Ouais, c'est mieux. Va donc récupérer des ailes de papillon pour moi. Pars à la montagne de la roche ombragée et obtiens un minimum de 4 papillons. Et reviens me voir. N'oublie pas. N'oublie pas les papillons, quoi. Mes articles sont les meilleurs du marché. Moi, j'espère bien, vu le prix, mon gars. Un petit sparadrap là. Il était là, sparadrap de noob. Putain, je sais plus parler, c'est un truc de ouf. Apprends à parler. Après, tu feras des vidéos. Et tu auras ce que tu mérites. C'est-à-dire pas grand-chose. Oh la succube. Ouf! Qu'est-ce que je lui ferai à la succube, moi? Une carabistouille, comme on dit. Bah, 10 000 tourons là. On pourrait s'entraider. En effet, on pourrait. On pourrait, ça veut pas dire qu'on va le faire. Hein. Bah, pour 100 de. Ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Hey, t'as le temps pour une petite mission, pars au Marais au Noir. On dit qu'il y a une grotte cachée, mais personne n'y croit vraiment. Si les rumeurs sont vraies, je veux que tu les écrives. Des questions? Oui. Oui, j'ai tant de questions, madame. Salut. Oh! Mais il n'y a même pas débat, en fait. La grotte des coupeurs de gorge est située dans la célèbre baie des pirates. Hé, toi, là-bas, ouais, toi! Tu dois amener cette tête réduite au pays des troupies. Et n'oublie pas, celui qui ralentit a peur. Alors ne ralentis pas. Sinon tu auras peur, n'est-ce pas? N'en sens pas. Minable. Minable. J'aime bien imaginer que les mecs m'insultent en me demandant des trucs, tu vois. C'est un peu mon côté sadomaso, quoi. J'aime qu'on me manque de respect. En me demandant des services. Ah merde, c'est fini, en fait, je dors debout depuis tout à l'heure. Ah merde, j'ai cliqué trop vite, du coup j'ai annulé le combat. Je suis mauvais. Vous connaissez quelqu'un de mauvais? La réponse est oui. C'est moi. C'est moi. Peut-être lui là? Le mec qui s'appelle Weed. Non, peut-être pas. Un mec bas level, s'il vous plaît. Peut-être le 31 là. Noé que je perds quand même. Noé que je perds contre un 31. Hein. Ça aurait été honteux. J'ai des tâches importantes à accomplir. Accomplis-les, madame. Que voulez-vous que je vous dise? Non mais je l'ai déjà ça. T'as niveau 52, mais. My body is not ready là. Discutons un peu. Non, ok, je l'ai déjà. Combien ça? Oh, bah, on va faire ça. Hein. En fait, il n'y a pas de débat des Faut qu'on fois. parle. Allez, 5 000. Trêve de bavardage. C'est de la merde, hein. C'est de la merde. Par contre, ça fait beaucoup d'or. C'est ça qui me fait hésiter. Bah, allez, go, hein.
Et encore toi, bon d'accord, va sur l'île et essaye de mourir, j'en ai marre de donner des missions. Très bien, monsieur. Voilà. Bon allez, hein. Te voilà. Oui, me voilà, monsieur. C'est de la merde. Salut mon pote, t'arrives pile au bon moment. La montagne de la roche ombragée n'est pas un lieu très sûr. Depuis qu'une inquiétude y a été élue domicile. Ouais, une inquiétude, c'est certainement un monstre. L'endroit n'a pas été très sûr de toute façon, n'a jamais été très sûr de toute façon. C'est un magicien squelette, vas-y et tue-le. Tue la bête. Pour le coup, c'est pas une bête. Et si tu dois le faire, fais-le avec le style. En vrai, j'ai un problème, c'est que je saute des mots, quoi. C'est un problème. C'est un problème. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Je suis riche. Je suis riche. Voilà. Je suis satisfait de ce qui se passe, là. Allez, go. Et encore toi, bon d'accord. Pars pour le marais au noir. On dit qu'il y a un trésor sans aucune valeur. Caché dans un coffre doré recouvert de diamants. Tu peux garder le trésor. Je veux seulement le coffre. Regarde donc bien par là et prends des notes. Je te fais confiance, mon gars. Il a bien raison de me faire confiance. Je suis digne de confiance. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis indispensable. Je me demande ce qu'on va affronter. Pas une pieuvre. Entai Sama, on l'appelle. On l'appelle Entai dans le milieu. Oh le... La bagarre. T'as un peu de temps pour une petite mission. Le marais au noir est habituellement si paisible. Par contre, ça c'est faux. Hein. Il se passe 3000 trucs à la seconde là-bas. Il est actuellement hanté par un monstre. Il s'agit d'un lièvre. Un très méchant lièvre assassin. Pourrais-tu t'en occuper avant qu'il n'y ait trop de dégâts? Tu penses que t'y arriveras? Fais attention, c'est un lapin très puissant. Il possède deux givres. Le lapin avec deux givres, bien sûr. Il l'a volé à Arthas. En tout cas, on aime les quêtes avec les lapins. Vaut mieux, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce jeu. Des quêtes. Et des lapins. J'ai un plan machiavélique. Moi, j'espère bien, parce que... Encore toi, bon d'accord, je suis à la recherche de l'amulette de Kor. Rends-toi à l'île au noir. Ramasse au minimum 7 amulettes. Et reviens me voir. T'as capté le truc, mon gars? Bah ouais, hein. On peut que capter, hein. Pourquoi 7? Parce qu'il a 7 coups, bien sûr. Vas-y, on upgrade. Hein. Upgrade. T'as plus que 42 heures sur cette merde, là. Ah, je commence à être bien classé, hein. En même temps, depuis que j'affronte que des ennemis à ma portée, quoi. Le jeu est simple, on va dire. Un brigand balèze encore. On affronte que des brigands balèzes, mine de rien. C'est passionnant. Ah ouais? Tu trouves ça passionnant? T'as l'air du type qui ferait n'importe quoi pour un peu d'argent. Part pour les steppes trébucheuses, il paraît qu'il y a un portail des démons. Mais je n'en sais pas plus, personne n'en est encore revenu vivant. Qu'en penses-tu? Cela vaut un coup d'œil, non? N'oublie pas, les mauvais clients seront punis. Au fouet, bien sûr. Le petit fouet. Bienvenue!
En fait, je sais pas, si je prolonge, ça utilise des champignons ou 92 d'or. Il a vexé, lui. T'es vexé, là. Non, il est vexé, le dragon. Tu peux être vexé, hein, c'est moi le chef, hein. Tu vas me conduire où je veux, hein. Ah, un cyclope, incroyable. Salut. Salut. Alors, on enchaîne. Superbe ce soir. Ah, pas terrible, hein, les quêtes. Eh, le comique, tu cherches un job. J'ai besoin de quelqu'un. Pour récupérer un timbre à ma place. Traverse le désert de coups de soleil. Et ramène-moi 10 timbres. Et reviens me voir. Tu penses que tu vas y arriver? Ah oui. N'oublie pas. N'oublie pas ton argent. Parce que c'est toi qui payes les timbres. Oh, il doit être 2h du matin. Non, il est 6h là. Tu es un menteur. Tu es un menteur en plus d'être un garçon de petite taille. C'est pas bien. C'est pas bien. Il doit être 2h du matin. Mais m'oblige pas à répéter ce que je viens de dire là. Vous êtes tous des menteurs. Je suis entouré de menteurs. Oh, c'est bientôt fini. Petite limonade là, en plein désert. Bon, un scorpion. Moi aussi j'ai le dard en feu, mon gars. Eh, encore toi, bon d'accord. J'ai besoin de 2 paires d'yeux de crocodile. Donc 4 en tout. Pars pour les steppes trébucheuses, tu y rencontreras un vieux moine. Qui ne te sera d'aucune utilité. Si tu m'apportes les yeux, tu pourras même en avoir un. Au total, il m'en faut 3. N'oublie pas. Les mauvais clients seront... châtiés. J'aime être châtié. Pas vous ? Est-ce que vous aimez être châtié ? On aime être châtié sur cette chaîne. Oh, le raptor ! Ah. J'ai pas le level, là. Regardez mes adversaires, quoi. Ils vont me casser le fion. C'est tout ce qui va se passer. En vrai, j'ai même pas le level pour affronter les mecs ici, quoi. J'ai l'impression aussi. Bon, si quand même. Bon, il faut aller dans les 10 000, quoi. Il faut que je te montre quelque chose. Ah ouais? Bon, oh, on va faire ça. T'as l'air du type qui ferait n'importe quoi pour un peu d'argent. Rejoins la forêt pourrie. Il paraît qu'Eric le cordonnier y est enfermé. Et puis, je tiens à de bonnes chaussures. Cette affaire me tient à cœur. Vas-y, regarde bien partout. Et maintenant, allons danser. Allons danser. Non, je sais pas, j'ai voulu chanter, après je me suis souvenu que... C'était pas une bonne idée, quoi. Du coup j'ai arrêté. Instant comme ça. De temps en temps, on se rend compte de certaines choses. Comment ça, il est 69, lui? À quel moment je l'ai invité? C'est fort, ça. Hein. Ouais. Ah, le Gremlin encore. Tu es à la recherche d'une mission? Salut! Non, je vais boire une petite bière ou deux, là. Une bière ou deux, j'en bois 5. Et voilà, on reçoit la récompense. On est riche. Salut. Vous savez, les plaies riches. Et bien, c'est ce que je suis à l'heure actuelle. C'est pour juste. Alors, les missions sont pas ouf pour le moment. Qu'est-ce que tu veux? 3 fois rien, mon gars. 3 fois rien. Je veux de l'argent, là. Il faut qu'on parle. Faut qu'on parle. C'est de la merde. Attends, ça donne combien d'or? Non, c'est de la merde. Je peux sentir la tension dans ton arc. La tension n'est pas que dans mon arc, chérie. Regarde un peu plus bas, tu vas voir qu'il y a de la tension aussi. Tu as eu vent de mon courage et de ma force. Non. Je sais même pas quitter. Nobody.
You are nobody. Tout est incroyable ici. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu as vu ma pipe? Oui. Bien sûr, on voit tout. Superbe ce soir. Je suis ER. C'est de la merde. Attends, on progresse vite hein, quand on passe tous les combats. Pas tous les temps d'attente. Ah ouais, en plus on a de la chance. Dommage, c'était pas mal. 5000. Dis 10 000. 10 500 en plus. Trêve de bavardage. C'est bien les bavardages. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Si j'aime pas bavarder, quoi. Je suis le mec le plus bavard de l'univers. Bienvenue, j'ai quelque chose d'important à te proposer. Prends la route de mon cul. On y trouve apparemment les meilleures crues du pays. J'ai besoin d'une poire, d'une bonne poire, pour y aller. Et attendre de voir ce qui s'y passe. Tu peux au moins essayer, minable. Tu sais quelle heure il est? Non, et toi, tu sais quelle heure il est? 900 balles, quand même. En vrai, je peux économiser pour augmenter ma guilde. 1000. Faut être combien pour être en raid? Prochain raid, le bassin. Comment on fait les raids? Comment on fait les raids? Comment on fait les raids? Non, c'est pas là. Ben, c'est peut-être là en vrai. J'ai mal à regarder quoi. Aucune idée, bon tant pis. La bagarre, le gremlin. C'est niveau 41. Le niveau 41 du plaisir. Une bière ou deux. J'ai des tâches intéressantes à te proposer. Vas-y, go. Moi, j'aime les tâches. Ce soir. Vas-y, là, 5000, là, on est bien. 1000, c'est le maximum. D'une mission. Est-ce que 1000, c'est le maximum d'or? Non. Je sais pas, comme on était à 1000 piles, ça me paraissait bizarre, quoi. Eh, hey, t'as rien à faire ou quoi? Va au marécage sans retour, on dit qu'il y a une grotte cachée. Mais personne n'y croit vraiment. Je veux que tu regardes un bien partout. Et que tu fasses un dessin. Tu peux au moins essayer de faire un dessin, quand même. On peut te demander ça, minable. Bah, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Ah, ça va être dur après. Ça va être très très dur. D'ailleurs, j'ai proposé de la petite pause pour regarder après un code. D'abord, on va vaincre la couleuvre. Mais normalement, j'ai un code. Tu es à la recherche d'une mission ? Oui. Mais je l'ai trouvé la mission. Voilà. Bon, rien de fou, hein. Je pense qu'on va faire celle-là. Salut mon pote, t'arrives pile au bon moment. Je collectionne des mots vides. Mais il m'en manque un. Rejoins la forêt pourrie. Tu dois y trouver quelque chose. À mon avis, une unité suffira. Qu'en penses-tu? Et si tu dois le faire, fais-le avec le style, mon gars. Le style. Vous connaissez le style? Salut. Salut. Ok, le code a marché. Normalement, ça donne... Est-ce que c'est ton jour de voilà, chance? Voilà, ça donne 130 pièces comme ça et on peut rouler. Oui, je sais que j'ai gagné ça. Tu fais ça. Oh, 500 balles. Ouais, incroyable. 500 balles. Bon, on va attendre. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir des collègues. Parce qu'en vrai, si les récompenses augmentent avec, avec le niveau, on peut attendre d'être niveau 3000 et le claquer à ce moment-là, tu vois. On va attendre du coup. Réserve secrète.
Tac, on claque tout. On met tout dans la réserve. Longue vie à la réserve. La petite réserve de l'amour. C'est un jeu où il faut être patient quand même. Faut être patient ou alors y jouer une fois de temps en temps, tu vois. Genre je lance une mission de 10 minutes, après tu reviens dans les... tous les 10 minutes, quoi. Ça me fait plaisir de te voir ici. C'est justifié, mon gars. C'est justifié. T'as l'air du type qui ferait n'importe quoi pour un peu d'argent. Va dans la forêt au noir. Dans la forêt pourrie, putain. J'affabule. On va aller dans la forêt et on va aller se pendre à un arbre, quoi. Allez, c'est parti. C'est notre projet, hein. Notre projet. Le démon affreux. Bonne nuit. Bon, on va retourner sur un adversaire à notre taille, c'est-à-dire plus bas level. La bagarre. Prenez la bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Waouh. Qui 8000. Tu veux un autographe, c'est ça? Non. Garde ton autographe, mon gars. Ça, c'est de la merde. Bienvenue, j'ai quelque chose d'important à te proposer. Il faut que tu amènes cette plume dans les marécages en retour. Je surveillerai chacun de tes pas. Alors attention, tu peux au moins essayer. On va essayer. On va faire de notre mieux, j'ai envie de dire. Même ici, j'aime pas trop le décor en vrai. Je trouve qu'il est moche. Bon, il est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, la bagarre. La bagarre. Je sais que tu as eu vent de mon courage et de ma force. En effet, en effet. Te voilà. Oh, bah attends, on a 1000 là. On peut upgrade la guilde encore. Bah oui. Ah, ok, ça a juste mis du temps. Mécène, succès, dépensé, ok. Je suis trop généreux. Je suis un mécène. J'améliore la guilde. Ah, te voilà. Oui, me voilà. Salut. Salut. Eh, bienvenue. J'ai quelque chose de super important à te proposer. J'ai besoin de tissu pour faire de la couture. Je veux dire, c'est clair, non? Rends-toi à la montagne d'Ankimor. Tu y rencontreras un type au dreadlocks. Il va te donner une marchandise très précieuse. Si tu veux, on peut faire un peu de couture ensemble. Mais n'oublie pas. N'oublie pas que les bons clients sont toujours récompensés. Or, ne fais pas de la merde. Et bien sûr, sur la route, on va tomber sur un rat géant, quoi. Non, un taureau. Un petit minotaure, quoi. C'est de la merde. Salut. Salut. Non. J'ai hésité quand même. Eh, hey, t'as un peu le temps pour une mission. J'aimerais que tu vas chercher une armure dorée, tu sais. Comme ça, je la mettrai dans un coin et je l'équiperai pas parce que je préférais te torse poil. Allez, en route, mauvaise troupe. C'est long, hein. C'est long. L'armure dorée. Armure dorée. Ou légendaire doré. Légendaire doré, ça va mieux. Qu'est-ce que tu veux? Enfin rien, et toi? Quoi que t'es veux. On en dit chez moi. Quoi que t'es veux. C'est de la merde. Discutons un peu. Non. T'arrives au bon moment. T'as un peu de temps devant toi. Tu dois envoyer ce vieux chapeau dans le désert de Nafnouf. Et pas de pause, hein. Les pauses, c'est pour les fainéants. Les fainéants et les incapables. Encore une succube, quoi. On affronte que des succubes. Tout ça pour des graviers, quoi. Des petits graviers.
Bon, on a 600 balles, on s'est mis bien. Voilà, on upgrade. On upgrade l'endurance en vrai. Bah voilà. Easy peasy les non-squeezy, comme on dit. Bon, ça commence à faire, hein. On commence à bien monter. Hein. Attends, on va regarder le rang 1. Oh, full doré, quoi. Jean-Michel Doré. C'est comme ça qu'on l'appelle, dans le milieu. Par coup, il fait 850 000 points de dégâts, quoi. Et il y a 15 millions de PV. Pay to have fun. Attends. Alors, il a plus de PV que le numéro 1. Par contre, en termes de dégâts, le numéro 1, il éclate. Genre. C'est pour ça qu'il fait la gueule, hein. Il a payé, mais il est pas le meilleur, quoi. Paye un peu plus, bordel. T'as pas assez payé, là, la carte. Utilise mieux la carte, quoi. La carte de crédit. Ok. Bon, c'était intéressant. Enfin, intéressant. Comment ça va? Bon, très bien, et toi? Bienvenue dans la ronde de nuit. Je pense que j'ai plus rien à faire. Bon, dans tous les cas, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Honnêtement, je pense que cette aventure touche... ou ne devrait pas tarder à toucher à sa fin. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ça tourne en rond et que on... Bah moi ça m'amuse en vrai, ça m'amuse mais... Jamais personne ne regardera autant de vidéos de ce jeu. Bref, allez. Des bisous, hein. Des bisous, je m'envole.